vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un petit haul de chez Action. Je porte mes petits bijoux Aura Création que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne sur Etsy, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc je vous ai fait des petites boucles d'oreilles vintage camées que moi j'aime beaucoup, des petites bagues anneaux réglables, celle-là elle est très jolie, c'est un cerisier en fleurs transparent, voilà, avec un anneau pareil argenté, petite bagoune rouge à paillettes, celle-ci je peux même la décliner en boucle d'oreille. Et vous en avez une autre vintage que j'aime beaucoup, c'est effet rose avec une jolie rose, j'aime bien. Vous avez une petite nouveauté manchette bleue, mais bleue vraiment le bleu dur que j'aime bien. Et ce que j'aime bien avec ces manchettes, donc j'ai mis des petites perles, des petites breloques crâne, étoiles, avec des petits strass, des petites lunes, un petit pompon, petite croix, une autre étoile, petit papillon, coquillage. Et ce qui est bien avec ces petites manchettes-là, en fait, ce sont des bracelets géants. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien les porter en manchette que vous pouvez les porter en collier. Aujourd'hui, j'ai fait un petit bun. J'aime beaucoup ces petits chignons très hauts. Et voilà, vous pouvez le porter en collier. Ce qui fait tout son effet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez toujours ce joli bracelet rouge avec des perles givrées et une petite aile d'ange rose gold. Et vous avez celui-ci, le Ibiza multicolore. Il y en a qui me disent, oui, pourquoi tu appelles tous tes bracelets Ibiza? Parce que j'ai envie. Ibiza, c'est ça. Ibiza, c'est le soleil. Ibiza, c'est la plage. Ibiza, c'est les coquillages. Ibiza, Coachella, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est un petit peu bohème. Donc, des petites médailles, tout ça. Celui-ci est très sympatoche. Celui-ci, c'est une pièce unique. Celui-là, je ne peux pas le refaire. Celui-ci, je peux. Et la petite manchette bleue que je ne peux pas refaire parce que ce sont des bijoux uniques. Donc, je vous mets le lien dans ma boutique en barre d'informations. Merci pour toutes vos commandes. Si vous avez une quelconque question, une demande de personnalisation ou un bracelet particulier que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me contacter via ma page, via ma boutique en me mettant un message dans la messagerie ou là via les commentaires. Donc voilà, on passe à mon petit haul de chez Action. J'avais besoin de quelques bricoles pour l'anniversaire de mon fils. Et donc j'ai racheté des petits trucs en plus dont je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, on va s'en débarrasser tout de suite. Donc c'est une sandbox. Je l'ai payé moins de 10 euros en fait. Vous savez, c'est pour faire la super scène de l'espèce de sable magique. Donc vous avez un espèce de château à assembler, une piste, des petites pelles, tout ça pour le petit, un seau, un petit camion et des petits moules. Voilà, là il vous explique comment l'assembler. Franchement, le gamin, on a mis ça dans le jardin pour jouer très très bien. Il est très content. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de ranger. Mais on va quand même investir dans du vrai sable parce que la super scène, au bout d'un moment, quand vous la travaillez beaucoup, elle est compacte. Je suis pas fan même de l'effet de la super scène sur les mains. Je suis pas très fan. Donc, je pense qu'on va investir dans du vrai sable et puis on mettra tout ça dedans. Puis on va mettre ça dans un coin du jardin et il pourra y jouer quand il veut. Ensuite, toujours pour Baby, j'ai trouvé ça pour l'occuper pendant les vacances parce que j'ai une semaine de vacances, mais c'est que au mois d'août. Sinon, ils vont au centre. Rainbow Magic, donc ce sont des petits feuillets. Ce sont des pointes à tracer en fait. Ce sont des feuillets sur lesquels vous allez gratter avec, vous voyez, ce genre de c'est pas des crayons puisqu'il n'y a pas de mine, mais à l'intérieur vous grattez et ça fait des petites formes. C'est fluo, ça a l'air très sympathique. Enfin, la petite vendeuse de chez Action, elle m'a vendu du rêve. Donc, je sais pas, on va voir si ce sera capable de faire ça. Et j'ai pris aussi celui-ci, livre de coloriage avec des lettres. Non, même pas, c'est même pas un livre de coloriage. C'est un album à dessin. C'est ça où il me claque toutes mes feuilles de, vous savez, pour mettre dans l'imprimante. Donc du coup, un petit carnet à dessin comme ça pour lui gribouiller, ce sera très bien. J'ai pris de l'eau d'enveloppe pour mes envois de bijoux. Il n'y en avait que deux, donc j'en ai pris forcément que deux. C'est ça qui est chiant chez Action, quand vous y allez à un certain moment, moi j'y vais la plupart du temps exprès pour des enveloppes, donc je prends toujours beaucoup plus, mais à chaque fois j'y vais, il n'y en a qu'un ou deux paquets. J'ai pris parce que ça, j'en avais plus du sopalin. C'est un XL roll, il y a 100 feuilles, 3 plis, enfin voilà. Ça c'est pareil, on n'utilise pas beaucoup, mais j'en ai toujours un petit peu quand même dans la cuisine au cas où les gamins font des bêtises. J'avais à l'origine pris deux Arizona comme ça, mais si on en a déjà bu un, donc c'est le Green Tea Anoni. Je vous rappelle, moi j'aime pas du tout. Hein. Les gamins ils sont fans, même Sean en bois, mais moi je n'aime pas du tout. J'ai pris pour apéritif des boules de cacahuètes japonaises. J'adore ça, je kiffe, j'adore ça. Je suis capable de m'enfiler. Alors plutôt que de m'enfiler des moments devant la télé, je vais plus avoir tendance à partir sur ce genre de petites bêtises qui est Action, qui ne coûtent rien et franchement qui sont très très belles.
J'ai trouvé à côté. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, c'est pour moi parce que cette semaine, je vais rentrer le midi nourrir Sean parce que Sylvain est à la cantine. Siam, lui, il est en camping et mon mari, Donc, lui, c'est non. un consommé de poulet. Aux légumes, curcuma, sel, maïs, vermicelle. Donc, il faut verser le contenu dans une casserole, réchauffer, ne pas bouillir. Voilà, on va goûter ça. Je sais pas ce que ça donne, mais ça va vite à préparer. Ça n'a pas l'air dégueu. Moi, j'aime beaucoup le consommé de poulet. Donc, voilà. J'ai pris des petites lingettes pour Silou, donc de la marque Huggies, 99% d'eau pure, sans parfum. J'ai pris pour moi parce que j'ai testé la dernière fois et franchement, j'aime bien. Moi, je me démaquille avec mes doigts et après, je me lave le visage, tout ça. Et là, je me suis dit que là, pour les vacances, ça serait sympa d'utiliser cette petite lingette démaquillante. Donc voilà, je la mouille ou avec de l'eau ou avec, je sais pas, de l'eau micellaire, hop, pour démaquiller et après à la machine à laver. J'ai repris, bah oui, parce que je fais quand même pas mal de manchettes, donc des petites perles, celles-ci dans les tons de bleu et dans les tons de vert, et celles-ci dans les tons de blanc, noir et gris. Chez Action, elles ne valent absolument rien. J'ai repris des petits emplâtres chauffants. Donc, il y en a 4 pièces à l'intérieur. Ça, c'est quand j'ai mal quelque part. Voilà, j'applique le petit patch. Ça chauffe et franchement, ça chauffe. C'est vrai, pendant quelques heures quand même, 2-3 heures, ça chauffe et ça me soulage énormément. Beaucoup plus efficace que quand vous appliquez du synthol ou quoi que ce soit. J'ai pris un masque nourrissant, actif, fortifiant de fruits de la marque Garnier. Donc, qui est en deux parties. La première à appliquer sur les longueurs, sur cheveux mouillés. Et la deuxième à appliquer. Alors, step 1, appliquer sur les longueurs sur cheveux mouillés, ne pas rincer. D'accord? Et ça, c'est à appliquer après. Donc, c'est un soin prolongateur, c'est pareil. Alors, le step 1, on va recommencer parce que je m'embrouille. Après le shampoing, appliquer le masque nutrition sur cheveux mouillés, masser délicatement les longueurs et les pointes, ne pas rincer. Et ensuite, tu appliques le soin prolongateur sur les longueurs, tu laisses poser pendant 3 minutes et tu rinces abondamment. Bon, bah, finalement, tu dois quand même rincer les dessous. Il y a que le premier, sachez que tu ne rinces pas, mais tu rinces bien le deuxième. J'ai pris deux petits masques pour les lèvres de leur marque de chez Action que j'aime beaucoup, c'est les hydrogel lip masques. Ceux-là, ils valent rien et j'utilise quand même assez régulièrement. J'ai repris Facial Clay Mask. Donc, c'est les petits masques renards. Donc, il y a à la fraise, au chocolat, au sel de mer, à l'avocat. Voilà, ça je pense que je vais le filer cet après-midi à ma nièce. Voilà, pour elle partir en vacances, elle va se tester. Ces petits masques-là, deux paquets de lingettes féminines à glisser partout, là comme il fait chaud, nous avons l'entrejambe qui transpire un petit peu. Donc ça pour le boulot, c'est plutôt assez sympatoche. Des marqueurs permanents, ça c'est pour noter sur mes colis. En évitant de s'en foutre sur son pantalon. Rose poudré camaïeu tout neuf. J'ai fait la dernière fois au boulot, j'avais posté une photo sur Instagram. Alors, beaucoup m'ont donné des conseils, c'est très gentil de votre part, mais je pense que si je me mets à frotter dessus avec un truc vert ou machin, je vais légèrement niquer le pantalon. Donc, en fait, ce que j'ai préféré faire, c'est j'ai commandé des patchs sur AliExpress en forme d'étoile argentée. Franchement, elles sont très jolies et je vais mettre un patch dessus. Il faut que j'arrête. À chaque fois que je suis de l'autre côté au jardin, il faut que j'arrête de prendre des pantalons au secours. Donc, on a quasi fini. J'ai repris des enveloppes comme ça c'est pour mon courrier, c'est des trucs simples. Pour l'anniversaire à Mimi, j'ai pris des chamallows rubino. Chamallows à face, quoi, sans gluten. Hein. Alors, ça va être pour mettre sur un petit bol sur la table. Couvert en plastique, ouais, je sais, c'est pas bien, mais voilà, on est assez nombreux et puis faire la vaisselle après. Donc voilà, on met dedans. Donc, assiette en plastique, il y en a 20. Cuillère en plastique et l'éternel gobelet. Donc voilà, c'était tout pour ce petit haul de chez Action. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, pas en bas, même si vous mettez des pouces en bas, j'en ai rien à carrer. Franchement, c'est pas quelque chose que je regarde. Je m'en fous, de toute façon, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci à toutes mes gentilles abonnées qui passent me voir au magasin. Il y en a certaines qui n'osent pas venir me parler. Venez me parler, venez, venez. Il n'y a pas de souci, je ne mords pas. Bon, c'est vrai que je suis sur mon lieu de travail et que je suis peut-être un petit peu fermée. Mais ça, c'est normal, c'est le boulot qui fait ça. Mais bon, si vous vous présentez en me disant que vous regardez mes vidéos, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois, j'en ai qui viennent et à chaque fois, je ne pense pas faire une photo. Donc les filles, réclamez-moi une photo, même pour moi, mettre sur Instagram, c'est vrai que j'y pense pas, mais ça serait sympa de faire des photos avec ses abonnés, quoi. Ça fait des souvenirs et puis voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique.